Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo nouvelle de Loukoum, donc de mon lapin. Dans cette vidéo je vais vous parler un peu de mon lapin, de comment il va et tout. J'en ai profité pour mettre à la suite de cette vidéo une vidéo sur, on va dire un peu nouvelle de d'Eliott, mon petit pigeonneau. Donc voilà, on va commencer. Alors Loukoum va très très bien. Quand on prend sa gamelle le matin, il ne mord plus, ne griffe plus. J'essaierai de vous faire une vidéo quand je lui donne à manger le matin. Il ne mord plus du tout, il fait plus rien, il reste sage à attendre qu'on lui donne à manger. Je l'ai pris du coup tous les jours. À mon avis, c'est pour ça qu'il s'est vraiment habitué à moi, qu'il ne me mord plus. Donc il est vraiment devenu super adorable. Il est super mignon, il adore qu'on le sort. Donc là, ça fait déjà un moment qu'il est dehors, du coup, on va dire qu'il fait une pause. Mais il est devenu vraiment super sympa, il est en pleine forme. Dès que je le sors, il fait des bonds d'au moins 2 mètres de haut et tout. C'est vraiment un amour de lapin. Il a bien grossi depuis que je l'ai eu. Donc voilà, après j'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur lui, à part qu'il va bien, qu'il est en bonne santé, et que voilà, il fait sa vie. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire, pardon. Je vais laisser encore la caméra sur lui pour que vous puissiez voir un peu son comportement, car vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos pardon, sur lui. J'essaierai de faire une autre vidéo sur sortie de Loukoum, car il n'y en a eu qu'une qui ne durait pas très très longtemps. Car c'est vraiment marrant quand il sort, il fait jamais les mêmes trucs, des fois il creuse et il s'éclate vraiment. Donc là ça doit faire déjà à peu près une heure qu'il est dehors, ce qui fait que il commence à être un peu fatigué. Donc là il se nettoie. Mais oui, il est devenu super gentil, il ne mord plus tout, ça c'est vraiment super. Car c'était embêtant en fait quand on prenait sa gamelle et qu'il griffait ou qu'il mordillait, alors que là il fait plus rien du tout, il mange les carottes à la main et tout. Donc voilà. Par contre il aime pas trop les friandises, je lui avais déjà acheté des friandises et tout. Mais il ne les mange pas, que ce soit des friandises spéciales lapin ou des friandises même pour cochon d'Inde, les Supreme Science Fiba First. Il ne mange pas du tout de friandises, il n'est pas trop friandise, comme c'est un lapin qui est né en clapier, qui a juste eu des graines, des fruits et légumes et de l'eau. Il n'a pas été habitué à avoir de friandises et tout, ce qui fait que voilà, il les mange pas. Donc voilà. Cette vidéo est finie. Je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt, comme là c'est les vacances. Donc voilà, bye. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon, parce que là je voulais laisser la vidéo le temps qu'il se nettoie, mais j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas encore acheté son nouvel enclos, donc son nouveau clapier. Je vais bientôt avoir le budget pour... donc pour lui acheter le grand à 2 étages, mais il faut également que j'achète une cage à moussu et un nouveau poulailler, car le mien il est vraiment défoncé. C'est déjà un poulailler que j'avais récupéré. Donc non, il n'a pas encore son nouveau clapier, il a encore son clapier de transition où il y est dedans, mais il sort vraiment, maintenant il sort presque toute la journée dehors. Je peux même le laisser sans bon, on va pas dire sans surveillance, mais je le laisse dehors et je vais voir par exemple tous les 20 minutes, car j'ai pas vraiment de chat et tout dans le voisinage, ce qui fait que je peux le laisser. Et que quand il gratte, en fait il gratte pas sur les côtés, car la terre est vraiment dure, il gratte juste au milieu et tout, il fait des petits trous, tous des petits trous et tout, on voit pas bien. Attendez, c'est vraiment juste des petits trous et là on va pas bien voir. Donc voilà, donc là maintenant cette vidéo est vraiment finie et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Bye.